nyenanga oya zolo ba oyu mikoloyu ezakaka nganga moko moko wana oyu tomonaka oyu toyebaki ou ekomi nganga mususu eloko azolo kezande biloko na ye bakanga parce que nanga tango azali na seigneur wana aiba misolo belé. Nous avons, nous avons eu des pétitions, nous avons eu des marches, on a eu à soulever ce peuple, on a eu à tout faire. Je n'ai pas vu mon Mukwege un seul jour là-dedans. Donc il est de la catégorie des acteurs des organisations de la société civile qui considèrent qu'ils sont apolitiques. Que tu sois méga ou les seuls, ça c'est mon corps. C'est déjà une occasion pour Balokotaï, Boubakolokotaï, Père Azapé Soldat, Kabila Soa Gaïa Bitoumane. Président Christophe Ngoï, ouais. Président de la société civile. Coordonnateur général. Coordonnateur général de la République démocratique du Congo. Ouais. Société civile, tout à fait. De la RDC. Tout à fait. Denis Mukwege Ozaleki, Mokona Kati société civile, Binobato société civile, vous rejetez, disons ça, parce que vous portez été comme candidat Nabino na présidentielle Oyo. Mais, Togo Kenega n'a eu beaucoup plus. Et pas Yuapi, yo même les bisous, ma approche, il y a ma processus électoral. Et pas Yuapi, en 2011 avec Ngoï Mulunda, 2018 avec Corneille Nanga, Ndengeto quoi approché avec Denis Kadima Lelo. Mais dans le processus électoral, Oyo, Tomoni, celui qui était l'ancien président, il y a centrale électorale, Azongi pour Kabete Labiso Masolo, il y a accord. Accord Wana et Zanini. Mon avocat Christophe Ngoï. Et na linga ko solo la li solo ya Moussapi Talisa. Et ni ko lo badi. Tant aux autres tant d'accord. Et singala ki o la sanga accord wa na ke Ngoï. Ngai ki no mo ya le na tra ko tanga ko mon accord wa na te. Et là, on a eu le signe, tant que biso même, tout le monde a eu la pétition, on a eu le signe, on a eu le signe, on a eu le accord de gouvernance. Et là, on a eu le signe, on a eu le signe, on a eu le signe, on a président de la République, on a eu le signe, on a eu le signe, on a eu le signe, on a eu le signe. Na moni ndeko asangenga bango pona kamba mboka nde toke bisagi kemba batwana et puis tokanga ki pe miso toka miso nga okulandela otale sika mbebe za to tele menyang sika mbebe za to tele menyang wane za ki accord ya gouvernance accord o nanga zo lobake yenda za yi president ya seni yenda web sa biso soki ba resultat o ya memaki na cour constitutionnelle. Ce qui est le lingue à la landa qui est, la bilili, mais on peut pas penser ça au Bozalaki, Nangazo Loba, Azo Tatola, Moutoua gagna qui élection, Nani Nignon Soana, Yenanga, Aïb Sabiso Soki, Ezaï Lokutato Ezagia Solo, Yenanga, Oyazo Loba Oyo Mikoloy, Ezaka, Nanga Moko Mokoana Oyo Tomonaka, Oyo Toyebaki, ou et comme une langue mususu de place ngali na zo olimolate na yangonde zoti na nganda lobake so moni mutu le loi lobi oui lobi a lobi non et puis a ke ko telema pe ko tatola devant cour suprême de justice le loyo abaluki. Bon, attaque quoi sur polé le truc que on n'a pas quand on est sur la mais au témoin kaka là mutiendi qu'on a tombé en Kenya ni aventurier Togo obéter les bisous pour ça peine sur la magambo y a un aventurier ou est-ce ça là et le quoi sur l'occasion des bureaux on a eu bakanga parce que nanga tant qu'on a une seigneur na aiba misolo belé à son bar hôtel na bas États-Unis kuna et tout ça bureau on a basé là qu'au Kanga yango.
Au moins que tata mon conseil Félix Antoine Tshisekedi Tshilumba zaki na salaki moi mbeba ko lobate akofuiner na passé té o bato soko afuiner ki na passé makambo zo batango mususu ba ndeko kwa bananga to zongisa na no liboso ba azuzi po ba meka kwa meka sosu sabiso boye bina bozo non non ezaki mbeba té yo so sali mutambo o sala ka mbeba té so ni ko kanga o kanga so ki ntaba so ki nyama so ki puku o sala mutambo té Mutambo wana ogote loko moko ya soli kitoko otiango esika wana ofunguli benzela olongwe pe esika wana posogi nyama wana ya mone otelemeli kaka na nzete akoya kolea te yo olongwe pe esika wana tango ya koya aweleli solo wana to elingi ya musinyi wana ali akwei akangeme na mutambo eh poloko tiete nde loko asela maka Ezala ba kabila wana to yebaki ke soki na ngonga wana to ka ko telemela bango ngai makanista oya ngai ezali ke to telemela bango me na bwanya ya president de la republique na motema na ye munene robite to sala na bango atako to zali ko yebisa ke baba to wana komeka te sima na ngonde te ko comprendre ke Yaza na bwanya pe makanisa likolo. Ayebaki elongi na zaiki kolinga sala. Soki azwi kimbeta bandi opapura bango, nde toazwa tozwa kimiate da sato de un. Me, e lolenge ye akende na masolo wana pe makambo wana, nde emema biso na ba resultat tosa nango. Na wana nde to wota toribi a atiagi bango mutambo. Et puis, c'est quoi que tu as mutambuana, bakangamaki. La République démocratique du Congo n'a ni la forme ni du point de vue du fonctionnement le mécanisme encore moins. Le contenu comparable à l'organe que mon frère, docteur Mukwege, répare souvent, dont il excelle en réparation. Ici, nous sommes sur un terrain politique. Et moi, j'ai toujours eu difficile à le circonscrire. En toute honnêteté, je parle. D'abord, le prix Nobel qu'il a. C'est un prix très important pour nous, le pays. Et à travers le monde, c'est un prix, c'est une élévation qui s'impose. Mais moi, j'ai toujours eu une difficulté à allier les prouesses scientifiques du docteur Mukwege en médecine et l'intitulé du prix Nobel en question, prix Nobel de la paix. Ça ne colle pas. Il n'y a pas un rapprochement. Mais j'ai quand même applaudi quand il est passé prix Nobel de la paix. La paix, en quel moment il a joué un rôle pour vraiment ramener la paix. Et tout ça, bon, il y a quand même un vide à ce niveau-là. Mais pourtant, le rôle qu'il joue en réparant les mamans et tout ça, il est très important à la société. Est-ce que c'est la paix des couples, dans les mariages, voilà. Mais au niveau de la nation, la paix dont nous avons besoin, il n'a pas joué un rôle quelconque là-dessus. Je prends pour exemple. Lorsque les Oazalendo dont nous parlons aujourd'hui, déjà en 2004, non, non. Déjà en 2006, 7, 8,
après que Ngoué Moulunda ait désarmé tous les Congolais, que M. Laurent avait armé, voyant le danger venir, il a dit armez-vous, défendez-vous. Les Rosalendo ont commis l'imprudence des Congolais de céder leurs armes à travers le piège qui leur était tendu par Ngoué Moulunda, le fameux Ngoué Moulunda, avec M. Kabila. Ils ont cédé les armes et on est venu les assiéger, leur village occupé complètement et tout ça. L'insécurité s'est installée. Et ils ont fui en brousse. Entre-temps, tous ceux qui travaillaient sur le processus de paix n'arrivaient pas à faire une distinction entre les forces négatives et les forces positives. On les mettait tous dans le même sac. Et même lorsqu'il fallait réprimer, vous allez trouver que c'est plus les compatriotes résistants là qu'on massacrait le plus pour les faire disparaître. Nous, nous étions montés au créneau pour dire mais non, sur terrain, il y a deux types de forces. Il y a des compatriotes qui se battent pour protéger, préserver leur espace de vie. Il faut en tenir compte. Et il faut les gérer d'une certaine manière. Il faut un autre traitement. Mais malheureusement, sur ce terrain-là, je n'ai jamais entendu Dr Mukwege se prononcer. Pourtant, c'est un élément qui concourait déjà à la paix. Bon, sur tant d'autres sujets, je ne l'ai pas vu se prononcer. Mais nous avons pris part, avec, en prenant beaucoup de risques. Parce qu'à ce moment-là, c'est Kabila qui est au pouvoir. Avec son système qui était complètement axé sur la répression de tous les jeunes Congolais qui prenaient les armes pour résister, après leur avoir ravi les armes à travers l'astuce de Ngoué Moulunda et lui Kabila. Nous étions mis debout pour dire non, on doit faire le distinguo. Et ce son-là, nous l'avons amené jusqu'au niveau de la communauté internationale, qui n'a pas voulu entendre cette oreille, et ça nous a permis de comprendre ce qu'eux voulaient exactement sur ce pays. Je ne prends qu'un seul aspect. Mais sur tant d'autres aspects, je n'ai pas senti Dr Mukwege jouer un rôle prépondérant qui pourrait le prédisposer à un prix Nobel de la paix. Mais je l'ai vu prix Nobel de la paix, bon, j'ai applaudi. Mais ça pouvait se limiter à ce niveau-là. Et d'aucuns ont dit en tout cas, on a tel le préparer pour autre chose. Quand on dit on, c'est quoi? C'est qui? On a cherché à savoir, mais on a compris que ceux qui sont en train de l'affubler de tous ces titres-là. Il a eu tous les titres en net en record. Mais ce sont des titres scientifiques. Je peux me tromper. Mais je ne vois pas de grandes figures dans le monde scientifique qui ont été primées. En commençant par Alfred Nobel lui-même. Je ne pense pas qu'il se soit hasardé dans la politique un seul jour. Ou qu'il ait pris la prétention de gérer la Suède. Je ne pense pas. Et si vous allez aujourd'hui, l'État ou la superpuissance qui contient le plus de chercheurs possible, c'est les États-Unis. Ils sont très nombreux. Mais il est très rare de voir un scientifique s'hasarder dans la sphère politique. Ils n'ont même pas de temps. Très rare. Mais sauf au Congo, on dit voilà, parce que, et paf, bon, je voudrais bien qu'il soit candidat en tant que citoyen, il est libre. Mais nous, de notre prisme de vue en tant que société civile, qui opère une analyse infinitésimale, parce que nous sommes dans la population, nous testons tout, nous palpons tout, et puis nous évaluons. Et nous opérons la prospective réelle, qui intègre le passé, le présent, le futur, là où nous voulons aller. Moi, je peux vous dire que, scientifiquement parlant, Dr Mukwege est valable. Mais politiquement, même par rapport à la compréhension du rapport entre la société civile et l'État, c'est que comment conditionner le peuple souverain primaire de manière à se prendre en charge, de faire en fait que l'État, qui est son bien, qui est son émanation, puisse lui apporter le bonheur qu'il attend. Et tout ça, sur ce terrain-là,
où nous avons eu des pétitions, nous avons eu des marches, on a eu à soulever ce peuple, on a eu à tout faire. Je n'ai pas vu Mukwege un seul jour. Un seul jour là-dedans. Donc, il est de la catégorie des acteurs des organisations de la société civile qui considèrent qu'ils sont apolitiques. Et c'est ce que moi j'ai considéré. Parce que je ne le voyais pas s'hasarder dans ce schéma-là. Mais aujourd'hui, il sort, il dit, il est candidat président. Ok, je veux bien. Mais ce n'est pas, je peux dire clairement, regardant la caméra, que ce n'est pas un candidat de la société civile. Ok. C'est un candidat de quelque part, parachuté, et mis en étoile par un dispositif qu'on connaît, et qui est là. Mais nous lui souhaitons bonne chance. Lorsque les élections ont été mal organisées, nous avons fait une pétition demandant l'éviction du bureau de la CENI, du pasteur Ngoï Mulunda. L'audit de cette CENI-là, du travail de cette CENI-là, on a demandé l'audit et tout. D'aucuns nous disaient que ce n'était pas le travail de la société civile. Non, c'est notre travail. Et cette pétition fut un succès éclatant, avec des milliers de signatures. C'est cela même qui détermine la légitimité d'une société civile. Et vous verrez que après cette période-là, il y a eu un moment où on a fait la pétition contre Ngoï Mulunda. Là, je survole. Hein. Oui. Monsieur Kabila, à la fin de son deuxième mandat, il ne voulait même plus organiser les élections. Il voulait faire le glissement. Le glissement est venu de nous. Et nous avons encore alerté l'opinion. Et nous avons fait échec à ça. Ça nous a valu ce que ça nous a valu. Vous le savez très bien. Et c'est le rôle de la société civile. C'est le rôle de la société civile. Et vous verrez que le peuple, quand nous avons dit « niet au glissement », le peuple a suivi le mot d'ordre parce qu'il s'est senti concerné. C'était son affaire. On nous a accusé d'être auteur moral. Bon, mais nous n'avons été que déclencheurs où nous avons joué le rôle d'alerte. Nous avons alerté le souverain pour dire que votre bien est en péril. Et jouer votre rôle et comment vous devez le jouer, c'est de telle manière il a souscrit. Et vous avez vu que le souverain éprimaire lui-même avait fait échec à cette entreprise macabre. Nous sommes allés, nous avons soutenu les élections parce que notre rôle, c'est de montrer le bon côté au peuple. Qu'il joue son rôle correctement, qu'il considère que c'est lui le maître du jeu. Et l'État, là, c'est son instrument. Et il doit le contrôler. Et il doit profiler les animateurs de cette institution-là, ou de ces institutions. Et qui va lui donner ses indications, qui doit l'éclairer, qui doit le conscientiser, c'est la société civile. Et c'est le rôle que la société civile de la RDC a joué jusque-là. Je voudrais terminer pour dire que lorsque nous avons senti, après l'élection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été élu, et puis pour que le sang ne coule pas, parce que tous on avait prié, 6 mois avant, on demandait à Dieu de nous envoyer un président, et puis qu'il n'y ait pas, que le sang ne coule pas dans ce pays. Effectivement, le sang n'a pas coulé. Et quelle astuce il avait trouvé? Il a décidé de ne pas frapper le camp Kabila et autres. Et ils ont eu même un accord de gouvernance. Nous avons estimé que c'était bien. Mais connaissant le comportement des autres, ce n'était pas garanti qu'ils nous mèneraient à bon port. D'où le peuple devait rester vigilant. C'est ainsi que nous avions, d'entrée de jeu, initié une pétition qui demandait au président de ne pas aligner dans son gouvernement de quelconque institution tous les acteurs entachés de violations des droits humains, entaché des crimes économiques. Et je crois qu'il a suivi ça. Ça, c'était le rôle de la société civile. Et lorsque nous avons constaté que à la tête du pays, il y avait tendance à trôner 2 personnes. Donc, lui et M. Kabila, à la faveur de l'accord FCC-CACHI. Nous avons dit, nous, peuple, on ne se retrouve pas.
cette mécanique-là ne concourt pas à notre bonheur ou à l'atteinte de nos objectifs et il fallait y mettre fin. Nous avons initié une pétition. On a initié une pétition, on a initié une série d'activités pour dire au président que la volonté du peuple reste la loi suprême. Même s'il y a des petits accords quelque part avec vos amis, mais la volonté du souverain primaire. Nous avons interpellé le président, nous avons placé le souverain primaire à son niveau. Et ça, c'est le rôle de la société civile. Et il y a eu une pétition que nous avons lancée qui a récolté 117 000 signatures. Les Congolais ont souscrit. C'est un exemple de légitimité que nous avons vis-à-vis du souverain primaire. Et cela a donné des résultats. Fin, discours de 6 minutes, fin de la coalition FCC Cash, et le pays a pris une nouvelle direction. C'est ainsi que vous avez vu les quelques réalisations qu'on peut aussi compter, qu'on peut même compter aujourd'hui, à la faveur de la population. Vous avez vu l'histoire de Malonda dont vous parlez. On sent Malonda. Oui, le cheminement logique voudrait que le ministère de l'Intérieur puisse présenter l'amendement à la loi électorale au niveau du Parlement. Et comme il est disposé que la société civile prenne la présidence de l'Assemblée de la commission électorale, il était important que le ministère de l'Intérieur approche la société civile, les structures de la société civile, échange avec eux. Nous étions très attentifs sur cette question parce que je vous ai dit ici clairement que c'est une de nos très grandes préoccupations. Nous avons fait la pétition contre Mundo, on a fait la pétition contre Malou Malou. Et même lorsque nous avons senti qu'il y avait... On était en train de déboutiquer quelque chose et au lieu d'attendre que l'initiative vienne du ministère de l'Intérieur vers le Parlement, et là nous avons vu la présidente du Parlement d'alors entreprendre maintenant, descendre en bas, pour articuler une disposition qui concourait au positionnement d'un de leurs, Onsa Malonda. Ils ont voulu le positionner astucieusement. Et ça, nous n'avons pas digéré, nous avons réagi tout de suite avec la dernière énergie. Heureusement, le peuple l'a suivi, et même la classe politique aussi, et on a mis à chèque à cela. Et on a voulu utiliser même malicieusement là, des dispositions qui étaient des pratiques qui ne peuvent que déshonorer. C'est ainsi que nous avons été jusque devant le parquet de la Cour de cassation, porter plainte contre Mme Mabunda. Alors, ça, c'est le rôle de la société civile. C'est le rôle de la société civile. Pourquoi pas ces élections? C'est nos voix à nous, nous, peuples souverains, qu'on doit canaliser et qui se traduisent en résultats sur le champ que nous opérons sur les animateurs des institutions. Parce que, Président, au Bétélébisso Massolo, il y a Ronsard Malonda, Nenge, et Bétélémélaki, Ronsard Malonda, Lélo Oyo avec Denis Kadima. Est-ce que vous crédibilisez Seni à Denis Kadima? Est-ce que Lélo Oyo, l'élection, ma ponami, il y a l'élection en 2023, et que ça l'est dans les délais? Et puis, vous allez au courant, dans la situation Oyo, le docteur Tchani Modiamvita, à Télémélak Moïse Katumbi, à Kosenga invalidation et candidature naie, mais de l'autre côté aussi candidat moko pelisu na kati ya maponami oyo set kikuni à Kosenga invalidation aussi ya candidature ya celui qui est au pouvoir actuellement président Félix Antoine Tshisekedi pour usage de faux maloba ezali mboka yo pour élection au Salem. Denis Kadima qui no moins lelo na bolando nyonso lo linga sali. Tout ça, il n'a pas besoin de bandeli. Et puis, il faut dire que même si on a été en train de se faire, il y a une candidature pour la Kambaseni. Il y a une opposition à Denis Kadima. Il y a une société qui n'a pas été en train de se faire. Il y a une société qui n'a pas été en train de se faire. Pour aucun moi peut-être. Oui. Tout à fait. En tout cas, quand vous avez été que vous vendez, vous avez été ma solo, ou bien vous avez été non.
milulu a sala kakuna toti na tinda ka batu na biso pakende kuna ba assister na milulu wana ba yeli biso banini soki biso tuzana bo bangi to na souci moko boye to koma kapé mikanda to tindi kuna eloko boye to zo bangela ngo to moni clarté ainsi de suite to sala ba document to tinda pe ba to pakenda ba discuter kuna et puis to yoko mona ba zui mabongi si ya ko sala eke ba bo bangi ono tuzayi na ngwana eni moi elongwa ainsi de suite peuple congolais biso to ko sala binote ce qui mbebe zali nous étions les premiers tout ça qui mieux placé pour nous puis ça vient que token de dé va ton autre avoir confiance té parce que mais attaque ce qui ngai na lingana sana na zai ko lukana sana pays ka ona kasi ce qui moi na to moninga abeti mbonda kitoko na ko ipe ko bina ezali sumote ce qui moninga abeti mbonda kitoko na ko ipe ko bina ezali sumote lolenge moninga abeteli na expérience à Zanango et tout ça. Bisso en tout cas a convaincu Bisso. Côté Wana, n'a pas de problème. Nazara Moutoua Moutema li Kundute. Yata Mouninga parce que Nazara Goulou Wana Zalisika Wana, Ata Salima la Mounenge Nini, Ezaka Kamabe, Ezaka Kamabe, Ezaka Kamabe. Ngaï na Samba la Nzambe ou Moko. Nazara Moutema li Kundute. Na ba élection yo, na tira kolé Mbongo, ya Senite, ya Denika Dimate, même ndenge za boina na kota dossier kuna na senité ke botia biso souri ba observateur o boina boye ndenge e belé ya ba organisation société civile bazo kende kuna mikolo nyonso ngana kende kete mais en toute honnêteté en toute objectivité na bosolo nyonso na ko sa peuple té soki makambo zo sala ezo lexa ki oui nous pouvons maintenant là lui faire confiance to kende na élection e ko sa mo lengi mo kitoko mais to kende na ko sa yé pou na nini puis dans le Kanini, en disant le mensonge et le contraire de ce qui n'est pas vrai. Pour la invalidation, au docteur Tchania Kosenga pour Moïse Katumbi, c'est ce que nous pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Invalidation, docteur, dossier y a des pères et des mères. Tchani a terminé l'angle depuis. Tu es bien que Wana et Zalaka, moi, Dada Naé. Tu es bien. Mais quand on parle au Baka, tu es bien que tu es bien que tu es bien que tu es bien tout à fait. Gabon, les lois. Gabon, les mais, on a pensé, et qu'on s'est que, bah, invalidé. Et là, on a Mikanda, parce que dans le on a dit que Moussapi, tu as dit ça. Mikanda, oh, il y a un tango, bah, côté, là, on a Mozindo, qu'on y a l'eau, yango, qu'on parle, là, yango, Nessika, y'a cour constitutionnel. De si kata mousousou va komo na bokeseni. Kouwa na pe, azwa kabare na yete ke azwi mokano, non, ba motiva kayango. Pa koloba nelo ko yoto tali to moni boye. Tango to baluli boye, to komo na sou boye. Ente, yangonde tindi biso tozo mokano yo boye. Biso ne se kona to koloba ni. Soki kou konstitutionnel na oya kokota, paske nda kokota mousindo. Seni a koti mozindote. Seni a tali par rapport ya bosenga na ye. Candidat e sengela pese loko boye. A pese mokanda boye. A pese mokwa. Mikanda wana yon seja woga iyo. Eh, bosa ba candidat provisoire. Kou constitutionnel manon la sikoyo. Landela mikanda wana osa la pe oye yo mousala. Soi kou de constitutionnel a koti makambu mousous na kati kuna. Akoloba yango. Piso toko landa yango. Sans problème, toko landa yango. Ozanana, nozanana, nso kou gansuwa lwe geno, elo koyo, apo ya kisipe polele, polele. Ke, botala, mobe kwe sengeli boye, men de koyo, aye boye na boye, et tout ça. Personne n'est au-dessus de la loi. Sso kou gansuwa lwe yango, toko landa yango. Voilà, il y a un chité na question, toko chité na... Oh, yo mousousso na yoki, oh, set kikuni. Ya zaka et le konyo so ya kaka na candidature mais atika la kozota 1% ah président ata 1% mais aya kaka bon nous vous on était que ezala ba kandida mususu bambuye nde sika na tuna ki ezala ba mususu ba ye ba ya ngwana na zo loba na zo nyalo na lubi na ba candidature wana ezala ba catégorie belé
Et ça, bambouillé. Bambouillé. C'est la même personne. Oui. Et président état que coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo, ben le Congo basali na est République démocratique du Congo, lelo oyo ba exaction eko sale makuna. Weekend des alaki na maboko ya Kichanga na maboko ya M23, lelo oyo tozomona monter en puissance ya ba wazalendo et puis ya FARDC malgré ces faits mais balobi que pour l'intérêt territorial donc singeli to agir. Situation où il y a une République démocratique du Congo, mon ayo, pour la bande de Kouana, n'est-ce pas? Oui, dans le bac, il y a une introduction à la Bissot. Mindele, de Bazo Bounissa Bissot. Et le Bazo Luka, et Yebani, on quitte la Bissot. Ça, c'est de un. De deux, Bazak utilisé, Batou Moussoussou, Nakatia, pas politicien, et Belépe, Nakatia armé. Bazak Osala, et Longo, Namakansia Mindele Wana. Alors, Nanobakiawa, déjà en 2006, 2007, 2000, c'est-à-dire compatriotes, patriotes résistants. Il y a même le 28 février 2019, tant que le président Félix a eu le pouvoir. Puis tout ça, il y a eu le centre Carter. Je crois que ça a deux jours. Hein. Le 28, tout ça d'ici. Il y a eu la résolution, tout ça, tout ça. Et ça y est qu'on peut voir que le gouvernement, tout armé Nabiso, a ça la masolo na ba compatriotes résistants. Parce que le mouvement est belé na est kuna. A ça la masolo na bango. Tant que tu peux faire la résolution, na, même le mouvement est belé ba benga biso. Tena général ya kutumba. A ça y na zamba kuna. A benga biso pe a zabaki, a za pre, pour nous revendre à ça la masolo wana tout ça. Biso ba mikanda nyoso na ba résolution wana tant on akutana ka eleko wana na président de la République na pesa ke na ona maboko tant makambo biso société civile to lengeli to zimikano ainsi de suite boye ba boko kapé bo meka ko zwango potanga otala pe soki ekoki ko pesa bino moi plus pour botal le ngi boko si sa makambo est ko na parce qu'il y a mutuya amen na biso zolonga te parce que infiltré. Onyos to kolinga to sala banguna basi bayebi. Bako bloquer biso, bako bomba biso. Kana mingi te to sala ki point de presse ya Sukao. To lobaki président de la République a nommé vice ministre en charge de la guerre. Ye vice ministre wana ayeba kwaligné na mapinga na biso. Batu ya solo solo otuzana bango sur que za ba congolais ya solo solo ayo ba koaligné ba troupe o bazana katyo na bazana ba infiltré té ndé ekomonisa ke M23 wana ezali solo ya bulukuta même Rwanda o puissance o boyé na boyé M23 oyo
secrétaire général de l'ONU, à l'obaïque, il y a une armée moderne, sophistiquée. Sophistiqué, et ça pamba parce que les pays ont besoin de ce En tout cas, dans mon pays actuellement, qui est le vôtre d'ailleurs, je ne connais pas l'adresse de John Numbi actuellement. Et c'est l'un, je pense bien, l'un des fugitifs de la justice. Mais d'où il est, il se permet de menacer la République. Et le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions et commandant suprême en sa casquette, fait rétablir la justice à travers un digne fils du pays, j'ai cité le désormais général de brigade Eddy Kappel. C'est lui qui a été longtemps sous les jougs des barreaux. Messieurs est gracié, messieurs est élevé de la plus belle des manières d'ailleurs. Aujourd'hui, il est nommé. Et si John Numbi Azalaki, qu'est-ce qu'il s'est dit? Lui qui a dit si jamais 20 décembre on voit clair. Et ciel et terre pourra tomber sur les Congolais. Votre avis. D'abord, John Numbi Bozoyoka, c'est un aventurier. Un grand aventurier. Aza civil Nengazawa. Ok. Oui. Parce que l'autre, il y a un organisé armé. Donc, ça, c'est un aza civil. Maintenant, l'aventure, il y a un moninga na e Kabila. Il y a 4 étoiles, un général 4 étoiles. Et ça, il y a un moko. Tous ceux qui ont été mis place sur le genou, ils ont été mis en place. Ils ont été place sur le étoile, à ce que je sache, étoile n'a pas ça à bouger avec sa victoire militaire. C'est quoi pour moi? Ils ont été fait militaire. Donc, il y a ça la victoire. La victoire est minée, minée. Ils ont été battus par le Chebeya. Ils ont été battus par le Chebeya. Ils ont été Fidel Bazana. Ba Fidel Bazana. Ils ont été battus par le Moussousou. Ils ont été battus par Patu ya nani mukungubila ezako bomba babundu ya Congo nde bokonga basa nde ba itole na ye yeste na aventure ane lo kwata mokote o soda ata elo beni na ye ozo santite et puis ya makasi ya koleka kutuma be nde ozo mona un général ce muto comité na général de corps d'armée azana niveau sur le plan intellectuel la formation to ya culture. Le général, à un niveau d'un professeur d'université. À cause d'un gros débat que pouvoir, la démocratie, Congo, et bien ami, et puis démocratie du Congo, démocratie et l'atabiso, le quoi les lamba. À cause d'un gros débat que pouvoir et où t'agrandir le peuple, et puis ce débat passé ma ponomi, où le peuple a lingi, au peuple a décidé à cani de yango. À cause quoi les personnes m'ont solué à ma corté. Il y a celui qui a créé le monstre. Wana azana nini, na mythologie to api. Alors, c'est un aventurier. A kokipe, pe a kose de l'autre côté. Masolo ka kanzolo va le peuple. Alors, bah, tu as esprit faible. Parce que Dieu nous dit, il y a qui est, azaki, dans la jeunesse, il y a eu Jufferi. Aboma batukuna. Ozok. Et le monaïnde, azaki moutou azo moma batu. Le loup comme bâtier Eddy Kappel. Oui, au Kabola n'a eu prison. Eddy Kappel na Kabola n'a eu prison. C'est mon ami. Nana Koti, avant n'a pas ta prison. N'a eu bien qu'il dit que Pend, à l'ouça la pémé dans Mosé. Et c'est un homme intègre. Moi, je prends un exemple. Dans le ministère des Mines, c'est une commission Moko d'audit. La CEC. Après, nous avons commencé à dire tout ça. Et là, qui est-ce qui est un peu. Il fallait pas l'ongolo à Zahir DG à CEC. Monsieur Makanzo. Monsieur Makanzo a servi à Costa de 17 ans à l'école à CEC. C'est quoi, tant au ministre Azu Moukanouana, à Tali, dans le cabinet, il n'y a pas exécuté la décision.
passe ma case aux aïe collier ça par conseiller aux aïe n'a pas salaire mousse pas tout ça à couna par boyer et tout ça tina à part ministre et mot hein même entourage n'a immédiat collier ça dans autre là bah mes capes colongolais attaque au bébé n'a eu l'outaki bah mes capes colongolais ils aient aussi maté mais tant aux yeux moukan ouana. Ça, c'était l'ordre qui était venu de Mouzé. A ABC ministre, Yamin Alobi, Longolanga Moutoui. Bozoland. Mbebo a sali Eleki. Nzokande, même directeur de cabinet Yamouzé, à ce moment-là, na yugi Azapé, candidat. De la République. Oui, Azapé, candidat président de la République. Azaï Golia. Ah! Donc, Moutoua Linga Kambamboka, où il y a corruptible dans la vie. Mais tu as vu que tu as vu que tu as vu. Alors, ministre Azo Benganga, alors, voilà, Yaka, Azo confié aux missions, Azo Benganga, Azo exécutant. Azo Benganga, Azo Benganga, Azo Benganga, Azo Benganga, Azo Benganga, Azo Benganga, Azo A celle arrêté Mobimba. A tenga inde Mokonzi. Naza ko présider, ko piloter, arrêté wana, exécution wana. Nga mouna bangi, naza mouna ba mikolo mousou tu saïna bango. Ben ministre, a ebisi nga ike, omoni bato nazo tindo na bango. Na ebi ke baliaka, e pa yamoutou wana. Yonde, soki ou exécuté te, ou ko exécuté te. Na kita na terre, na lingwa mananga. Tokoti, to sengi to mona e, DG, ayam bibiso, nana ebise voilà, nazana communication, nazana enveloppe nana. Nazana communication moga rosala e pana yo. Bengenanga yi directeur financier na yo, bengenanga directeur du personnel na yo, bazala ou pour nasa la communication, n'a pas zizo concerné bin. A bengi ba oba vandi. La fongole enveloppe na tangi. 15 ans, à ce que vous avez le rôle et le rôle privé à Tomboki. À Tomboki, allez sortez de mon bureau. Rébu des ministres, j'en ai vu défiler devant moi. À Taoyo, à Tindi, à Siyem, quand à Rolongapé, moi je serai toujours là. Moi je suis ma case. Mais oui, c'est papa. Où ils ont d'abord l'état qui tiwana au vent dans le sous-souté. Donc, les latio boy, le rôle à Tindi, à Zokin. A ganga modèle moko batonazay na bango bakimi bakeli banda to tikali ngana ye na bureau makanzo a suite téléphone na ye a bengi directeur de cabinet à Mouzé. C'est un professeur à l'hôpital na zaliawa ministre kibasa atindelinga ye mutu moko wa Christopher wana le bino. Et le coin, il s'est visé en côté qu'on dit maté. Ma case à Tomboki. À Tomboki à Kosakanate. Nazui, téléphone n'a pas bengi et dit qu'à peindre. Nabissé voilà. Ngaï, Nazoua qui ordre à ministre. Mais Naibi que, oh, il m'a dit que ça, même Mouzé a ébi. Alors, n'a combien wa, Moutou et Toyego Longola. À l'ingité, et puis, Moutazo Pesso Moutou Makasi, directeur de cabinet à Binokuna, à Mouzé. Et dit qu'après, il y a eu un peu de Zela, il y a eu Mouzé directement. À côté, a eu un Mouzé. Mouzé, comme il y a eu de gauche à droite, il y a eu un bon, il y a eu un bon, il y a eu un bon, il y a eu un papier. Comment décision est prise par un ministre? Il est azo bloqué en gros comment? Est-ce que bon, il est vrai que à l'époque il y avait une disposition tant le ministre a ça l'arrêté, il faut qu'il dans la présidence, bah ça la validation et puis des ongles. Alors directeur de cabinet on a assis à Monaki parce qu'il y a ministre des mines ayaki wana depuis Tongo azo ba yamba. Mais Azaki wana na salle l'antichambre. Azoba kouyambaye, malgré l'insistance. Alors,
tant que Moussa Tomboki, il a dit qu'il a fait un doigt entendre. Il dit qu'il a fait un abîmé à Ebisinga et voilà. Moussa Lobiboy, au co-exécuté le coin. Exécuté en gros sans tarder et puis, Nazo Benga, Raus Tialwe, Nazo le Bawa à la télévision. Général Raus Azo Nananga. Azana, service spécial. Il y a des éléments qui sont super, qui sont accompagnés, qui sont la ceinture. Il y a des places qui sont exécutées. Mais quelques 5-10 minutes après, on a vendu tout ça dans ma case comme des chaînes de faïence. Alors, Bousse Fala y a Bengi. A ABC, ma case. Alobi na monique li kamone za ya solo tika nini tika ebonga longwa ka place wana ne po akende ko solo kote a fenêtre kuna na mona ka kazungi apemi et puis akomi no Christopher est-ce que tu ko solo la en tant que mibali na l'émission en tant que mibali yon dezwa et loko na yo nyonso privé weza na kati ya bureau. Et ça a déjà permis. Bengelangaï, tel, tel, tel. Dans la communication là-bas. Natindi, par Segnaye, un papa là qui l'avait instrumentalisé, a déjà tombé à l'angaï, tout ma casse. Natindi, benga, tel, 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 baye. De Nabimis, deuxième notification. Oh, ils ont nommé, oh, il y a les Boswana, ils ont donc remplacé Makanzo provisoirement. Oh, il y a eu d'abord directeur technique. Oyo s'occupe de la personnelle. Alors, na salut communication. Non, quand on a ma canzo, on a vu le est bien avant. Que je déjà vu le gonaïo, au salani. A tiens, mon tout ma canzo, ça tombe qui est tout ça. Alors, tant que vous avez bien que le gonaïo, même vous avez bien envoyé tout ça, il ne faut pas blaguer. Alors, à l'obi, oh non, à l'ingis, à l'obi, non, à moment où yo, au simba de ce côté. Même Moutouko et même Kyo et Moussala. Et tous les ordres à disposition, tel que c'était prévu, tu appliquais en gros, ma canzo à Longwa, à Longwa, paye de belle tille et l'autre à vos ongates. Donc, Kolobake, choix est dit qu'à peine de n'a aucun choix. Choix est dit qu'à peine à Zamout n'a eu bien, n'a eu probité n'a eu. À contact n'a pas eu à ma corruption, pam pam pam. Parce que Onazo et Pisona, c'était la corruption au plus haut sommet de l'État. Vous voyez, vous exécutez, Pébélé, Baboukanamin. Pas Keibo, Baboukanamin. Moi, j'avais la confiance du ministre. Avant, Tinanga, et puis, il y a des gens qui traitent déjà dans mon congé en bok. Kende pour exécuter, Nakebo exécuter. Mais dans ce moment, je suis candidat président. Je suis en Barcelone. Il dit qu'à peine d'atteler Moutouana, Moutouana, Banga, Zonga, Sima, et puis, il a exécuté la mission. Je suis en prison, je suis en prison. Le procès, je suis en prison, je suis en prison. En tout cas, il n'y a rien de vérité dans le procès. Rien. Si c'est une machination, il y a des innocents, il y a des gens qui ont pour rien. Et les lots, même temps, on a commandé en prison. Tout ça, l'ami, il a dit qu'à peine. C'était mon ami. On causait chaque soir. Mais c'est d'abord un homme intelligent, un homme intègre. Et puis croyant. Peut-être pour éviter que ça croyant. Alors, la croyance, tu sais toujours que les gens ne sont pas bien au sambate. Yepe, tu sais toujours que les gens ne sont pas bien au sambate. Et réhabilité na mon été dans le monde. Réhabilité. C'est ce qui est en train de se passer. Il suffisait seulement d'exercer patience. Azam, tu as patience. Mais ils ont combattu c'était parce que tout le monde dit que le président Joseph Kabila Kolongwanaye a mis ma munition nyonso na Okatanga na Kashamata les lois dit qu'après ne pas qu'il y ait est-ce que ça causé la thème makambo bah bon Kolongwanaye cause là moi makambo cause là paye ma casse parce que tu es dit que non oh au moins ma solo na ici quand tu commences quoi ils ont otié totié et puis tobalolio otié pas maté totié tobalolio tu te rends de l'eau à la moto alors ce qui est là. Ici, il y a la force publique, l'État.
Lelo Edi Gapin a eu une nomination en tant que général de Moto nommé par ordonnance, président de la République. Ce qui moi ba ministre moko Kabila za moi ba ministre na yekuna ata même ni bango mandu ki ndenge nini. Kutu soit mega ko les ça si moko. C'est déjà une occasion pour ba lokotai bo ba ko lokotai pe a za pe soldat. Kabila soit gagné bitumba. Kaka lo lengi moko na 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 na. Na jono. Ba gagné bitumba.